Bonjour et bienvenue à cette célébration, à vous qui êtes réunis ici à l'oratoire et à vous qui vous unissez à nous par la télévision. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Thérèse Imbriglio pour Madame Maria Ocone. Aujourd'hui, nous fêtons la bienheureuse Marie-Rose Durocher, qui a su mettre ses talents au service de la promotion des jeunes filles. Voilà une œuvre qui démontre que l'union au Christ, tel le sarment rié à la vigne, fait en sorte que nous pouvons porter des fruits abondants de charité dans l'amour de Dieu et du prochain. Au début de cette célébration, tournons-nous vers le Seigneur en lui demandant sa miséricorde. À nous qui refusons parfois de reconnaître ta présence aimante, montre ta miséricorde, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. À nous qui acceptons difficilement que tes voix soient différentes des nôtres, montre ta miséricorde, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. À nous qui œuvrons trop souvent pour notre seule gloire personnelle, montre ta miséricorde, Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui as allumé au cœur de la bienheureuse Marie-Rose Durocher la flamme d'une ardente charité et un grand désir de collaborer comme éducatrice à la mission de l'Église, accorde-nous cette même charité, afin qu'en répondant aux besoins du monde d'aujourd'hui, nous puissions conduire nos frères et sœurs au bonheur de la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la première lettre de saint Jean. Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est vraiment né de Dieu. Tout homme qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela. Garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aucun mal, car tu es avec moi.
ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Demeure en toi, porte du fruit à la gloire du Père. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui donne du fruit, il le nettoie, pour qu'il en donne davantage. » Mais vous, déjà vous voici nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits, ainsi vous serez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers pèlerins, cet évangile que nous venons d'écouter nous est bien connu. Jésus, comme il le fait souvent, nous raconte une parabole où il est question aujourd'hui de vignerons, de vignes, de sarments et de fruits. Parabole qui arrive à point puisque nous sommes en automne, saison des récoltes. Pour arriver à produire des fruits, des conditions ont dû s'appliquer. Des arbres en bonne santé qu'on a émondés, qu'on a arrosés. Beaucoup de soins sont nécessaires pour atteindre de bons résultats. Notre vie de chrétien et de chrétienne portera du fruit dans la mesure où nous serons attachés à Dieu, à Jésus, comme
les branches doivent être soudées au tronc pour que la sève circule et développe les fruits. Jésus nous le disait, « Demeurez en moi comme moi en vous, parce qu'en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » En effet, pour être de véritables disciples, il nous faut écouter sa parole, qui vient nous purifier et nous rendre nets. Notre vie sera fructueuse dans la mesure où nous serons branchés sur Jésus, dans la mesure où nous nous mettrons à son étude et que nous serons transformés par son esprit. Bienheureuse Marie-Rose du Rocher que nous fêtons aujourd'hui s'est laissée inspirer par cet évangile. Comme collaboratrice de son frère à Belœil, elle déploie ses talents d'hôtesse, de maîtresse de maison et d'infirmière. Sa vie porte du fruit pour le bien-être des autres. Elle assure aussi la coordination des activités paroissiales, mettant à profit ses talents de rassembleuse et d'éducatrice, elle organise des retraites pour les familles et dirige la première congrégation mariale au Québec, un mouvement qui a joué un rôle important dans le renouveau religieux au 19e siècle. Simple et intelligente, elle se fait remarquer par sa fidélité à la prière et son humilité silencieuse. C'est grâce à sa foi au Christ, face à un monde hostile, qu'elle a été capable de vaincre les obstacles nombreux qui se sont présentés au moment où elle a fondé la communauté des Sœurs des Saints-Noms de Jésus-Marie, qui continue toujours, constatant l'ignorance du peuple et l'importance du rôle de la femme dans la société, elle met sur pied une communauté religieuse qui jouera un rôle primordial dans l'éducation de la jeunesse. Mais on s'en doute bien, ce ne sera pas sans difficulté et incompréhension de la part des autorités en place. Chers amis, chers pèlerins, que son exemple, sa prière et sa ténacité, fruit de sa foi, nous unissent davantage au Christ en nous greffant sur lui et qu'ainsi nous donnions du fruit pour l'avancement du royaume aujourd'hui. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous n'ayons d'autre richesse que toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Marie-Rose du Rocher, Saint Frère André, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec Jésus qui nous apprend à être des filles et des fils bien-aimés. Avec confiance, disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Invités au repas du Seigneur, demeurons unis au Christ comme les sarments à la vigne. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Par la puissance de cette communion, Seigneur, conduis-nous toujours dans la voie de ton amour, comme tu fis pour la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. L'œuvre de salut que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Puissiez-vous porter des fruits en abondance, comme l'a fait la bienheureuse Marie-Rose du Rocher. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.